Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hyrule Warriors. Et d'abord, de commencer sur cette terre du crépuscule, nous allons aller au marché, voir ce qu'on peut améliorer, et notamment au niveau de Lana, vu que c'est Lana qu'on va utiliser dans ce scénario. Donc la badgerie donc, de Lana. On peut augmenter l'épée Kokiri. En tout cas, j'espère que la série vous plaît toujours autant. Elle est plutôt pas mal suivi comparativement aux autres séries que j'ai pu vous faire sur la chaîne. Facilite un peu le remplissage de la jauge de fatale, ça on prend, c'est important. Voilà, on va prendre aussi une nouvelle attaque, pourquoi pas, on peut toujours changer. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut améliorer avec Lana, donc on va aussi améliorer celui-là. Voilà. On peut toujours améliorer, donc c'est pas mal. Donc améliorons. Dents de cuir, ça fait pas mal. Là, on va pouvoir améliorer. Je pense pas qu'on pourra améliorer plus. Si, on va pouvoir améliorer en bas. Donc on a quand même pu améliorer quand même beaucoup de choses sur le badge de Lana. Donc c'est pas mal. On peut toujours améliorer ça. Donc faisons. Et on peut carrément utiliser la dernière truc du coup. C'est parti, on a fait toute une branche. C'est pas mal. Ensuite, on passe au badge de défense. Où faisons un petit badge. Voilà, larve de guêpe. Voilà, et on peut pas super trop. Et là, on peut rien faire du tout. Mais le badge d'attaque, on a mis le truc au maximum. Donc, c'est plutôt pas mal. En termes d'apothicaire. Non, l'apothicaire, c'est pour les potions, c'est vrai. Potions, on s'en bat les couilles. Le ferrailleur, je voulais dire. Au niveau des ferrailleurs, au niveau de la fusion. Arme à renforcer. Grand arbre. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Attends, c'est quel objet qu'on a besoin pour le... C'est l'eau. Non, c'est pas l'eau. Et si c'est l'eau. Du coup, on va prendre du coup le grand arbre. Ouais, on va prendre le grand arbre. Le grand arbre, du coup, on va essayer de fusionner avec peut-être avec un grimoire. Je sais pas si c'est possible. Avec un grimoire, peut-être. Non, on peut pas, bien évidemment. Du coup, ce sera simplement que le dragon mojo qui sera utilisé pour la fameuse El Famoso. Épreuve de terre du crépuscule. Donc c'est parti, on part avec Lana et hop. Lana stepped through her portal and found a jarring sight. Wherever she looked, the kingdom was consumed by shadow. Though she knew of the Twilight Realm, she had never seen it firsthand. Lana's sorcery could not reveal who or what was causing the twilight to cover Hyrule so completely. She soon came upon a small village beset by monsters. Her mission to close the Gate of Souls would have to wait. Petite introduction assez sympathique. J'ai oublié de vous dire avant de commencer cette bataille que j'ai joué un peu en off. Bon, ça ne se voit pas du tout parce que je vous l'ai pas dit, mais en fait, j'ai refait le premier niveau en niveau facile pour compléter le truc et tout, pour faire le truc assez à 100%. Et j'ai récupéré pas la structure là, mais le quart de cœur qui était contenu dans un fort. Donc, d'un moment, je vous montrerai une petite séquence sur la vidéo. Mais j'ai récupéré le petit quart de cœur et la structure là, je l'ai toujours pas trouvé, je sais pas du tout où elle est. Cette scrutule là, dès que je la trouverai, je vous la montrerai. Du coup là, c'est parti, on commence, c'est parti. Donc voilà, le monde des ombres. Donc c'est parti, le dragon mojo qui est pas mal comme arme, je dois avouer que... Elle est pas mal. C'est une très 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 bonne attaque. Voilà. Par contre, je comprends pas pourquoi c'est l'eau efficace, mais bon.
on va pas forcément chercher à comprendre. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre ce fort. Oui, on peut prendre ce chef de poste, voilà. On peut prendre ce chef de poste, pas mal, voilà. Le villageoise, la villageoise ne doit pas s'enfuir. Ok, sauver la villageoise. Ok, c'est ce que justement j'allais prendre ce fort. Donc c'est pas mal. J'allais prendre ce magnifique fort, voilà. Hop, 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 hop. On attaque. Prenez garde à l'armée des sorcières qui se trouve dans la plaine. Ok, ok, ok. Donc là, en fait, ce qui est assez différent des autres plateformes, c'est qu'il va avoir, en fait, trois camps. Le camp du crépuscule, le camp de Sia et nous, en fait. Du coup, ça va être assez chaud. Secours immédiat demandé. Ou quand? Ah, mais t'inquiète, j'arrive. Hein. Je fais quand même le fort. Hein. Faut pas déconner. Hein. Tu t'es cru où, hein, madame hein. Oh. Voilà. Secours immédiat demandé, t'inquiète, je vais te secourir. Hop, 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 hop. On passe les archers, on s'en fout. Donc voilà, mission accomplie. Hop, on va faire un petit peu le ménage. L'attaque avec 73 KO, ça fait quand même pas mal. Hein. Là, on est sur du plutôt pas mal, pas mal. Par contre, c'est bizarre que ça ne devient pas un fort. Papillon, Marcaon, papillon, suit le papillon guide. Ok, ok, ok. Macaon qui est un perso jouable et que j'ai de mémoire, hein. Je crois que je l'ai, hein. Je veux pas dire des conneries, la base unité ne doit pas se faire attaquer. Ok, t'inquiète, on arrive, là je m'occupe un peu de ces saloperies. Là, bien évidemment, je suis toujours sur les bombes, je sais pas pourquoi, je suis toujours sur les bombes. Hop, voilà. Suivez le papillon. Attends, on va quand même passer parce que c'est la grosse merde. On va passer par là. On va quand même aider les autres parce que la base alliée va peut-être se faire attaquer. Donc ça va être la grosse merde. Non, peut-être pas en fait. Non, peut-être pas. Non, elle va pas se faire attaquer. Elle va pas se faire attaquer. Enfin, pas suffisamment. Pour mourir, du coup, c'est bon. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut escorter Machaon. Protéger Machaon jusqu'à sa destination. Donc, j'avais bel et bien raison. Hop. Toi, tu vas mourir, petit Aealphos. Allez, hop. Fais ton crachat, voilà, blabla. Tu tombes et hop, on t'attaque. C'est un fail. Enfin, c'est bon, on t'a attaqué. Hop, 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 hop. Et voilà, petit Aealphos, tu es dead. Merci de votre compréhension. Machaon, tu peux avancer. Tu peux avancer, tu es où? Tu es là, merci. Hop, tu avances. Voilà, tu avances, allez, avance. Avance, avance, avance. Avance, s'il te plaît. Eh oh, avance. Il y a des ennemis qui la gênent, donc bon, on va du coup attaquer, voilà. Voilà. Hop, hop, voilà. Ah, c'est bon, elle peut avancer. Vas-y, avance. Bordel, pourquoi elle avance pas cette cruche? Voilà. Vas-y, avance. Avance. Voilà, c'est bien. C'est moi ou m'a carrément attaqué en fait? Bon. Elle m'a peut-être attaqué, mais
On s'en fiche. Ah, le fort qui est ouvert, merci. Allez hop, on va pouvoir tout terrasser. Bonjour. Alors, une petite attaque spéciale, ça fait plaisir. Hop, voilà. Bon, elle va pas faire autant de dégâts que tout à l'heure, mais elle fait quand même 29 de dégâts. C'est quand même pas mal. Faut pas déconner, voilà. C'est pas mal. Faut pas déconner. Le papillon a peur, vous devriez chasser les ténèbres de ce fort. Oui, bah t'inquiète, c'est ce que je fais, cruchos. Petite cruche. Macaron, c'est un perso que j'ai pas du tout aimé dans les Zelda. J'aime pas son caractère, en fait. Oh, ah, il y a la fosse noire. Nice. Oui, bah, par contre, tu te calmes, hein, ma petite machin là. Tu te calmes. Allez hop. Vas-y, attaque. Voilà, attaque. C'est bien. Hop. Voilà. Et hop, tu es mort. Mais si, vous avez pris la place de la lisière. Ok. Pas mal. On avance. Oh, le papillon a l'air heureux. Il va continuer à nous guider. Nice. Ça fait plaisir. Ça fait largement plaisir. Hop. On continue par là. Pourquoi pas. Par contre, c'est quand que je vais pouvoir aller par là-bas? Bon. Je sais pas. C'est un mystère qui restera mystérieux.